Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de lecture avec un nouveau texte destiné aux élèves de la troisième année de l'enseignement primaire. Maintenant, on passe à la lecture du texte. Comment réaliser une affiche sur la pollution de l'eau? Matériel à préparer avec tes camarades. Une grande feuille blanche. Crayon de couleur bleu clair, un stylo feutre noir, un tube de colle, des objets, bouchon en plastique, bouchon des canettes, bout de sachet en plastique, coupon de bois, morceau de tissu. Étape à suivre. Dessine une grosse goutte d'eau sur la grande feuille blanche. Colorie cette goutte d'eau en bleu clair. Dessine une bouche et des yeux à cette goutte d'eau. Ajoute-lui des larmes. Colle les objets polluants, bouchons, bois, plastique, tissu, etc. autour de la goutte d'eau. En haut de la feuille, écrit en majuscule les phrases suivantes. L'eau est précieuse pour tous. Il ne faut pas la polluer. Bravo, tu as fini. Je relis le texte. Comment réaliser une affiche sur la pollution de l'eau? Matériel à préparer avec tes camarades. Une grande feuille blanche, crayon de couleur bleu clair, un stylo feutre noir, un tube de colle, des objets, bouchon en plastique, bouchon des canettes, bout de sachet en plastique, copeaux de bois, morceaux de tissu. Étape à suivre. 1. Dessine une grosse goutte d'eau sur la grande feuille blanche. 2. Colorie cette goutte d'eau en bleu clair. 3. Dessine une bouche et des yeux à cette goutte d'eau. Ajoute-lui des larmes. 4. Colle les objets polluants, bouchons, bois, plastique, tissu, autour de la goutte d'eau. En haut de la feuille, écrit en majuscule les phrases suivantes. L'eau est précieuse pour tous. Il ne faut pas la polluer. 6. Bravo, tu as fini. Alors maintenant, on va essayer de réaliser ensemble des sons. Alors, dans chaque paire, encadre la lettre qui fait changer le sens du mot. Blanche, blanche. Alors, bleu, bleu. Noir, voir. Alors, la couleur noire. À voir, alors, le verbe voir, le verbe regarder. Colle. Alors, la colle. Gluant. Alors, folle. Alors, tube. Cube. Sachet. Alors, cachet. Grosse. Brosse. Bien. La rubrique je lis et je comprends. Alors, ce sont les questions de compréhension. Alors, la question 1. Relis le dessin au titre qui lui correspond. Comment réaliser une affiche sur la pollution de l'eau? Comment écrire une histoire sur le voyage d'une goutte? Alors, regarde ici. C'est une affiche. Alors, l'eau est précieuse pour tous. Il ne faut pas la polluer. Alors voilà des ordures. Sachet, bout de bois, sac en plastique, etc. Alors,
le bon titre, c'est, ou bien le titre qui lui correspond, c'est comment réaliser une affiche sur la pollution de l'eau. La question 2, lis les phrases pour écrire vrai ou faux. Alors A, il faut dessiner une petite goutte d'eau. Alors c'est vrai. Il faut coller les objets dans le dessin de la goutte d'eau. Oui, c'est vrai. La goutte d'eau est contente. C'est faux. Alors regarde ici. La goutte est mécontente. Bien. La question 3. Écris une phrase pour répondre aux questions. Pourquoi la goutte d'eau est-elle triste? Alors, triste, c'est-à-dire mécontent ou bien n'est pas content. Alors la réponse, la goutte d'eau est triste car on la pollue avec beaucoup de déchets ou bien ordures. La question B, que faut-il faire pour la rendre contente? Alors, il faut jeter les déchets ou bien les ordures dans les poubelles. 4. Complète les phrases. L'eau est et ne faut pas. Alors, l'eau est précieuse. Il ne faut pas la polluer. Je lis et j'écris. Question 5. Écris les mots avec les syllabes données. Bout. Place, champ, sa, tic, chez. Premier dessin ou bien première image. Alors, un sachet. Caducien, des bouchons. La dernière, du plastique. Alors, un sachet, des bouchons. Du plastique. 6. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. Réaliser une affiche. Est-ce que c'est peindre une affiche, créer une affiche ou bien faire une affiche? Alors c'est créer une affiche ou bien faire une affiche. 7. Recopie les mots d'objets polluants cités dans le texte, page 150. Alors, les mots sont bouchon plastique, bouchon de canette, bout de sachet en plastique, copeaux de bois, morceaux de tissu. Alors, la question 8. Complète la phrase avec le mot outil qui convient. Autour, en haut. Regarde. Le ciel est gris. Alors regarde en haut, le ciel est gris. Regarde en haut, le ciel est gris. Les moutons sont de la fermière. Les moutons sont autour de la fermière. Les moutons sont autour de la fermière. Alors merci pour votre attention et à la prochaine.